aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on est ici. Col de la Croix-Saint-Robert, c'est des routes que je connais par cœur. Ouais. Je m'entraîne pas tous les jours ici, mais j'emprunte ces routes très très régulièrement. Moi, ce qui m'attire dans le trail, c'est d'être tranquille en nature pendant des heures. C'est un peu la liberté d'aller où on veut. Donc, ma spécialité, c'est plus le trail long, de 40 à 80 km. On va tabler sur environ 22-23 minutes d'effort. Donc c'est quand même une ascension qui reste assez courte, c'est 400 mètres de dénivelé. C'est un défi qu'on s'est proposé avec les frangins Meneux qui font de la course à pied. Voilà. Le col en lui-même par la route, c'est aux alentours de 5 km.8 à 6,2%. Donc au niveau de trail, on va partir sur le chemin de la Grande Cascade, qui est une ascension assez difficile. On va prendre à peu près 400 mètres de dénivelé sur 3,5 km. Il a été pensé par nous et puis après il a été mis en place par l'office de tourisme du massif du Sancy. Pour ça, on les remercie vraiment. Là, il n'y a pas photo, ça va être nous. Hein. On est là pour tordre du Cavagna aujourd'hui. Allez les gars! Ça va les jeunes? Bon, j'ai dû freiner un peu, hein. Allez, l'année prochaine, hein. Les chagrins, 20 secondes devant vous. Ouais, ils voulaient faire passer devant, me dire 27 minutes, en fait c'était 18. Regarde, 800 watts. Non, mais je vous ai mis... 800 watts sur la minute. 800 watts. J'ai pas mis beaucoup, ça joue à combien? À une heure? Vas-y, t'as 10 secondes dessus. En vrai? Oui, là. Allez, salut, moi je rentre.